Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de mon chéri. On va vous faire le tag qui de nous deux, donc juste avant. Tu crois que je vais te laisser faire? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de mon chéri et on va vous faire le tag qui de nous deux. Donc juste avant de commencer, tu vas te présenter. Alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Adrien, donc je suis copain à Céline depuis 7 ans et demi maintenant. Bon, rien de grand chose à dire sur moi, je travaille à Ménissée, je fais de l'équitation, de la pêche, bientôt de la moto. Et puis ben voilà, en gros c'est ma vie. C'est tout ce qu'il y a à dire quoi. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, première question, qui de nous deux est le plus drôle? Moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, si. Nous deux alors. Ouais, nous deux. C'est nous deux, je pense. Ça dépend des jours. Ouais, vraiment, quand t'es mal luné, ouais. Toi aussi. Bah, c'est nous deux, je pense. Qui de nous deux regarde le plus la télévision? C'est moi. Je la regarde jamais. C'est pas intéressant. Ouais, ça c'est sûr. Rien à la télé. Il regarde jamais la télé en fait, il y a que moi qui la regarde et même moi je la regarde pas plus que ça non plus. Hein. Ça reste plus ou moins rare. Non, il y a de l'allumement en se levant et il y a de l'éteint en se couchant. Non, c'est pas vrai. Non, si. T'es un menteur. Si, si, si. Non. Mais je la regarde pas, je l'allume pour avoir un bruit de fond. Mais je la regarde pas. On va dire vite fait. Ouais, vite fait, mais bon, je regarde pas tellement longtemps que ça non plus. Enfin, je veux dire, quand il y a une série qui passe, je suis pas à fond dessus. Oh, à telle heure c'est machin, à telle heure c'est ceci. Ça dépend c'est quoi qui passe. Ouais, enfin, quand c'est Secret Story, mais sinon, ça va, c'est qu'une courte période de l'année. C'est pas tout le temps. Troisième question, qui de nous deux est le plus ordonné? C'est lui. Catastrophe. Je suis Miss Bordélique de l'année, je ne range jamais mes affaires, clairement. Ouais, donc le plus ordonné de nous deux, c'est lui. Je peux passer 15 fois après, sur la même journée, elle aura posé la chose que j'ai rangée au même endroit. Je range jamais mes affaires, je suis une vraie bordélique et ouais. Donc le plus ordonné c'est lui, ça c'est sûr. Question 4, qui de nous deux est le plus ponctuel? Alors là c'est moi, ça c'est sûr et certain, il est toujours en retard. C'est monsieur en retard. Aussi. Ça dépend du temps que tu mets à te maquiller aussi. Oh non, menteur. Bah en même temps, quand on a un rendez-vous quelque part, monsieur il va me réveiller genre, on doit être là-bas à 10h, il va me réveiller à 9h-10. Comme ça, j'ai le temps de me réveiller, d'aller aux toilettes et puis de me maquiller en 10 minutes top chrono. Impossible, les filles. Impossible. Donc, en fait, c'est lui qui est bien en retard tout le temps. Ouais. Ouais. Et si je serais pas là pour te réveiller le matin, t'irais comment bosser? Bah, par moi-même. Ouais, une fois sur deux en retard parce qu'il entend pas le réveil sonner, surtout. Question 5, qui de nous deux est le plus gourmand? C'est toi, je pense. Ouais, non, moi je suis le plus gros mangeur en ouais. Quantité. Ouais, on est gourmands tous les deux, mais en quantité c'est lui qui mange le plus en fait. Mais sinon, ouais, gourmandise, on est tous les deux gourmands quoi. Tout le temps. Question 6. Qui de nous deux passe le plus de temps sur Facebook? J'y vais jamais, j'aime pas Facebook. C'est moi, ouais, c'est clair, je suis tout le temps sur Facebook. Enfin, tous les réseaux sociaux, ouais, je passe ma journée dessus quoi. Lui il y va jamais, c'est très rare quand il y va. Tu dois y aller quoi? 2 à 3 fois par semaine? Ouais, si, ouais, 2 à 3 fois par semaine. Pour jouer à Criminal Case. Ou une fois par jour peut-être. Ouais, moi j'y vais à Criminal Case. Ouais, jouer. Pour les jeux, ouais, pour les jeux. Moi, ouais, mais tu parles pas ou quoi que ce soit. Non. Qui de nous deux est le plus bavard? Je sais pas. C'est compliqué. Ouais, je sais pas. Je dirais moi quand même. Ouais. Ouais. Je sais pas. Bon, on va dire moi, mais je pense que c'est kiff-kiff. Je pense. Qui de nous deux est le plus timide? Pas moi. Pas moi non plus. Bon, je suis pas timide. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend avec les gens qu'on est, quoi. Si ouais. On connaît pas les gens, on va être un petit peu plus timide. Bon, quand ça va. Après, dans notre nouveau boulot, on peut pas se permettre d'être timide, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, on travaille avec des gens, donc c'est sûr, c'est un peu. On travaille avec des gens qu'on connaît pas, alors évidemment. Ouais. Faut que ça rentre tout de suite. Non, je pense pas qu'on est timide ni l'un ni l'autre en fait. Qui de nous deux est le plus sensible? Bah là, sans hésiter, c'est moi. Je suis pas sensible du tout, moi. Ça, c'est sûr. Moi, je peux pleurer devant un film, devant un dessin animé. Hein. Moi, le plus triste des films, il me fait rigoler. Alors, c'est pas la peine. En fait, quand on regarde un film triste,
Et bah moi je suis en train de pleurer, du coup lui il se moque de moi, donc il rigole. C'est toujours comme ça. C'est pas juste d'ailleurs, la dernière fois c'était au cinéma, je me suis tapé la honte. Qui de nous deux chante le plus souvent? Pas moi. Je vous avoue que je ne chante jamais. J'aime. Si de temps en temps, mais c'est rare. Je sifflote. Dans la voiture. Je sifflote. Non, c'est moi, ça c'est sûr, c'est moi. Je chante tout le temps, partout. Dans la douche, dans la voiture, tout le temps en fait. Je m'en rends même pas compte, je chante et des fois je me dis, oh, bah, je suis en train de chanter, mais je m'en rends même pas compte en fait. Qui de nous deux a le plus une âme d'enfant? Toi, c'est moi. Non, c'est moi. Bah non. Bah si. Genre, je passe ma vie à regarder des Disney. Non. Bah ouais. Quand il y a des enfants qui sont là, tu joues pas avec eux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui joue avec bon, eux. Bon, next question. Next. Qui de nous deux est plus réseaux sociaux? Bah c'est moi, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure avec Facebook, pour moi c'est un peu la même question. Ça dépend si les jeux vidéo c'est un réseau social ou pas. Non, je pense pas. Les gens en ligne peut-être. Bah je joue qu'en ligne. Ouais, donc ouais mais non, je pense pas que, enfin... Bon, réseau social dans ce qu'on peut voir, Snapchat, Instagram et Facebook, c'est moi. Tout le reste des réseaux sociaux c'est moi. Ouais, enfin réseaux sociaux quand on parle de jeux vidéo, hein, soyons clairs. Hein. Qui de nous deux est le plus sportif? Moi, sans hésiter. Ouais. Bah, je pense, mais après, moi aussi, quoi, avec l'équitation. Non, moi, sans hésiter. Ouais, non, bah oui, toi, sans hésiter, mais moi aussi, quoi, avec l'équitation. Ouais, mais bah, c'est après, toi, en plus. Je vais aller dire, ouais, chérie, bon, demain matin, si on va aller courir 10 km. Non, tu vas sans moi. Je t'attendrai à la maison. Bon, je l'ai déjà fait une fois. Pas 10 km. Non, bah, il faut pas pousser mes mains dans les orties non plus. Qui de nous deux dort le plus? 12 heures par jour. C'est moi. Je dors tout le temps. De toute façon, mon surnom à la maison, c'est Marmotte. On m'appelle Marmotte parce que je dors tout le temps. Je peux me coucher très bien à 20h du soir et me réveiller à 8h le lendemain. J'ai fait 12 heures dans l'horloge, mais ça me dérange absolument pas. Des fois, je dors plus aussi, ce qui est alarmant. Ouais, non, il me faut beaucoup d'heures de sommeil. Toi, non, tu dors pas beaucoup. Hein. 5-6 heures. Ouais, tu dors pas beaucoup. Qui de nous deux joue le plus aux jeux vidéo? Sans hésiter. Ah, ça c'est sûr. De toute façon, moi, jeux vidéo, bah, à part les Sims, je joue à pas grand chose. Moi, le matin, l'après-midi, le soir. Tout le temps. Dès que je peux, je joue. Quand on n'est pas ensemble, il joue aux jeux vidéo. Quand il n'est pas au boulot, il joue aux jeux vidéo. Voilà. Ça résume sa vie, entre guillemets. Bon, je fais pas que les jeux vidéo non plus. Non, bah, heureusement. Enfin, quand même. Un peu quand même. Non, ça va. Non, non, ça va. En fait, c'est simple. J'arrive entre... à arrêter quand il faut. Ouais, voilà, c'est ça. Puis bon, après, entre deux, ils calent la pêche et l'équitation aussi. Et les 2 heures de conduite moto. Et toi? Et moi. Bah, c'est important quand même, non? question 16. Qui de nous deux fait le plus d'attention envers l'autre? Je sais pas du tout. Ça dépend. Moi, ouais, c'est les deux, je pense. Ça dépend des mois et de l'état des comptes en banque, en fait. Non, ouais, non, mais des attentions. Pas forcément des cadeaux en fait, mais aussi des attentions. Après, tu vois. Un peu tout, même sortir au cinéma ça coûte de l'argent. Ouais, donc, non, ouais, mais non, mais genre déposer petit déjeuner au lit ou quoi. Ouais, ça. Bon. Ouais, c'est nous deux. Regarde, il faut que je te dépose ton café et tout. Ça dépend. Ça se négocie. Ouais, je pense que. Enfin, ça dépend vraiment des périodes en fait. Il y a des moments ça va plus être lui et des moments ça va plus être moi. Question 17. Qui de nous deux rigole le plus? Je sais pas, ça dépend. Parce que toi, tu rigoles pour tout et n'importe quoi. Moi, je dirais moi. Ouais, je dirais toi. Qui rigole le plus, je dirais toi. Qui de nous deux montre le plus ses sentiments? Pas moi. Moi aussi. C'est toi. Non, c'est toi qui les montre plus que moi. Quand même. Ouais, je les montre plus que toi, mais toi aussi, quand même, ça va. C'est pas... qui de nous deux les montre le plus. Ouais, ouais. Qui de nous deux, c'est moi. Question 19. Qui de nous deux s'énerve le plus vite? C'est moi. Ça c'est sûr. En fait, moi je m'énerve très très vite, mais c'est tout le temps. Tandis que lui, il est très calme. Par contre, quand il s'énerve, faut se cacher. Clairement. Hein, c'est un peu ça. Quand je m'énerve, t'as pas t'arrête de quoi. Non. ouais, je pense que c'est ça. Qui de nous deux fait le mieux à manger? Lui, sans hésiter. Il cuisine beaucoup mieux que moi. De toute façon, je déteste cuisiner. C'est pas du tout ma tasse de thé. Et... 5 heures à cuisiner, ça me dérange. Ouais, lui, ça le dérange pas en fait. Enfin, cuisiner genre des pâtes et un cordon bleu, non, il va pas aimer. Par contre, on va lui dire allez, on va faire des lasagnes et tout. Ah ouais, ouais, ça y est, il est là quoi.
Quand on va faire un bon plat bien mijoté, tout ça, là, il est content. Par contre, si c'est un truc vite fait à la va-vite, non, il aime pas. Ce qui est le contraire de nous deux. Oh, plus tard, ça va être bien. Moi, je vais faire les petits repas rapidos, et puis le week-end, lui, il va faire les couscous et tous les trucs bien compliqués. Ça va être pas mal, ça. Je te laisserai éplucher les légumes. Ouais, bien sûr. Et ben voilà, c'est tout. C'était la dernière question. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais ouais, c'était la dernière question. Bah voilà. Bah moi j'ai une proposition. Ouais, vas-y. Si vous avez d'autres questions à nous poser, eh ben posez-les et puis on vous fera un plaisir d'y répondre. Ouais, à deux. Donc voilà, si vous voulez revoir Adrien dans une prochaine vidéo, vous mettez plein de pouces bleus surtout. Mettez en commentaire également si vous avez des questions. Si vous voulez pas me revoir, vous mettez des pouces rouges. Ça peut être bien aussi. Bah, ouais, c'est un peu ça. Et non, bah voilà, si vous avez des questions, voilà, on fera pourquoi pas une FAQ à deux. Ça pourrait être pas mal s'il y a pas mal de questions. Et puis bah voilà, si vous voulez le revoir aussi dans une autre vidéo, bah n'hésitez pas, mettez en commentaire des idées si vous voulez le voir monter à cheval, pourquoi pas. Ça pourrait être comique. Si vous voulez me voir à la pêche aussi, y a pas, oui, de problème. Non mais c'est la sienne Cindy et Calypso, hein. Ah mince. C'est pas Carp & Co, hein. Ouais. Donc voilà, en tout cas, si je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Au revoir.